Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. J'ai fait un travail à l'école pratique des hautes études qui m'a amené à présenter des projets de recherche relatifs au travail que j'avais fait. Et celui qui me tient le plus à cœur, c'est un projet concernant une unité hospitalière de diététique sensorielle à visée thérapeutique. Je suis précis parce que diététique, c'est pas l'alimentation, hein, c'est qu'on fait les choses avec la diététique, sensorielle parce qu'on utilise le sensoriel, et thérapeutique, c'est parce que c'est l'objectif, quoi. Et pour réaliser ce projet, il faudrait dans une unité hospitalière avoir un service qui rassemble un certain nombre de personnes ayant toutes la même pathologie, de façon à pouvoir soumettre à leur système sensoriel un certain nombre d'aliments, de leur proposer ça les yeux bandés, comme ça ils ne savent pas ce que c'est, et de noter les résultats, de façon ensuite à pouvoir les analyser statistiquement et de faire sortir des résultats s'il y en a. Alors l'idée c'est que des pathologies équivalentes devraient se solutionner avec des aliments natifs équivalents. C'est l'idée. Et les intérêts qu'il y a dans cette démarche sont multiples. Premièrement, si on repère que, par exemple, les gens qui ont une leucémie mangent tous des pommes de terre crues, si on a d'autres signes qui peuvent nous alerter sur quelque chose, comme par exemple le fait que les enfants mangent aussi des pommes de terre crues et pas les adultes, là, on peut essayer de trouver un point commun. Et là, le point commun, je l'ai trouvé, pas tout de suite, mais je l'ai trouvé. Ces deux organismes sont en croissance cellulaire très très puissante. Donc, il y a quelque chose à chercher. Hein. On se retrouve dans une situation où on va demander à des volontaires de sentir des aliments. Si les statistiques montrent qu'ils vont tous sur la pomme de terre, ceux qui le souhaitent pourront manger de la pomme de terre, hein, pour résoudre leurs problèmes de cette façon-là, avec une alimentation sensorielle, complète, guidée, tout autour. Et deuxièmement, ça peut intéresser énormément des chercheurs, parce que s'il s'avère que la pomme de terre est si active dans ce contexte, c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Donc il va falloir analyser, essayer de trouver là où les molécules. Autre avantage, c'est qu'on peut effectivement soigner des gens, si ça marche toujours, à un coût qui est incroyablement plus accessible que par la médecine traditionnelle. Un cancer à traiter par la médecine est un coût phénoménal pour la société. Et on pourrait se dire que donc, la société a un intérêt financier là-dedans, un intérêt humain, puisque c'est il est question d'hommes. Les chercheurs ont un intérêt aussi, sinon ils ne débloqueraient pas de capitaux. Là, ils ont intérêt, ils vont récupérer toutes les conséquences de la recherche. Et ben, ce projet me paraît vraiment intéressant, de façon multidirectionnelle. L'intérêt est partout. Voilà. Il faut simplement faire avancer les choses, les exposer, communiquer, les transmettre, tomber sur les bonnes personnes. Et c'est un projet que je garde vraiment avec beaucoup, beaucoup d'espoir et j'espère arriver à le réaliser. Ouais, vraiment. Okay. Vraiment.